Il est 7h30, je viens de reprendre la route. Là, c'est mon départ le plus matinal pour le moment. Cette nuit, j'étais avec 3 autres Français. Mais là, ce matin, je suis toute seule parce que j'étais la dernière à partir. Il n'y a plus que 3h50 jusqu'à Courmayeur. Donc normalement, on y sera pour midi, si tout se passe bien. On voit le glacier, qui est pas tout à fait dans les nuages. J'ai rattrapé Marion, qui a bivouaqué au même endroit que moi hier soir, avec les 3 autres Français. Donc on prend une petite pause ensemble. Là, désormais, c'est que de la descente, donc ça fait plaisir, avec des petites remontées de temps en temps, mais c'est raisonnable, quoi. Par contre, il y a un petit peu de vent, donc j'ai remis la veste de pluie et le bonnet, parce qu'il fait bien frais, mine de rien. J'ai fait une grande partie de la descente vers Courmayeur avec Jakub, qui est tchèque, qui est guide de montagne, en fait. Mais on allait à peu près à la même vitesse, donc c'était parfait. J'ai profité d'être en ville pour m'arrêter au restaurant, manger de la polenta. Et là, c'est l'heure de la pause glace avec Jakub, que j'ai retrouvé, 2 Américains et 1 Taïwanais. Les 2 Américains s'appellent Mike et Ben. Ben qui est venu avec son ukulélé. Et là, on a décidé de poursuivre ensemble. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. And seeing things that I may